Bonjour ou bonsoir les gens, c'est Gorogorcillon qui vous parle en direct de la 21ème partie de mon playthrough de Styx Masters of Shadows, l'épisode qui a failli ne jamais sortir comme la suite de ma chaîne. Si vous n'êtes pas au courant, j'ai eu quelques soucis d'ordinateur, ça a duré pendant plus d'un an et ça y est, on a enfin réussi à le faire fonctionner tout simplement en changeant toute la configuration. Voilà, on a carrément changé de marque et tout, et donc ça y est, ça fonctionne. Je vais pouvoir à nouveau vous faire des vidéos, reprendre des jeux, terminer Styx. J'ai d'autres projets, mais ça, je ferai probablement une vidéo à part pour en parler et aussi parler de toute la petite péripétie qu'il y a eu avec cet ordinateur qui refusait de fonctionner. Enfin, soit. Donc, 21ème partie du playthrough de Styx, je ne sais absolument plus où j'en suis, vous imaginez bien, je viens d'aller voir sur ma chaîne à quel numéro j'en étais parce que je me rappelais absolument plus. Ça fait 10 mois que je n'ai pas joué à ce jeu, je ne sais absolument plus comment on y joue, je ne sais absolument plus où j'en suis dans l'histoire. Globalement, je sais qu'on a notre double qui est en fait notre vrai et que c'est nous qui sommes le double qui nous chasse, mais qu'on veut tuer le vrai pour devenir le vrai. Voilà, c'est très compliqué. Voili voilou. Donc, petite précision, évidemment, je viens de le relancer. Là, grosso modo, j'ai même pas encore tout réinstallé sur l'ordinateur. L'ordinateur n'est même pas rangé. Il est là, je suis dans une position totalement tordue. Il est à mes pieds. Voilà, pour vous dire à quel point j'avais envie de m'y remettre. Bon, ça veut dire quoi? C'est du nouveau matériel, je suis pas encore habitué avec. Je viens de le lancer, donc il se peut qu'il y ait des petits bugs de réglage par-ci par-là. Bon, c'est des choses qui normalement arrivent en début de playthrough que je règle en l'ayant vu. Ici, ben, comme je reprends en plein milieu du playthrough, ça peut arriver. Idem pour le son. Je ne sais pas si le son... Tiens, j'ai oublié de retirer Fraps. Vous avez vu, bon, il n'est pas à 60, mais il tourne normalement. On perd toujours quelques FPS avec Fraps. Et en plus, il y a des FPS perdus de toute façon dans le jeu. Donc ça, ne vous inquiétez pas si vous avez vu le petit compteur Fraps. Même si vous l'avez pas vu, il tournait à 54 au lieu de 60. C'est pas très grave. C'est toujours mieux que 20-25 comme j'avais avec l'ancien. Bon, je vais arrêter de parler. Je vais peut-être essayer de m'y remettre. Je vais déjà regarder les touches parce que ça fait tellement longtemps. Je viens juste de faire un tout petit test son avant, histoire de... mais régler un petit peu les graphismes, la luminosité, tout ça. Mais j'ai même pas regardé les touches. Donc, accroupi, gna gna gna, le clic gauche, le clic droit, la roulade, interagir les objets sautés, marcher, faire du bruit. Ah oui, il y a les pouvoirs. Ouh, je me rappelais même plus de ça, tiens. Les clones, la vision dans. Ah oui, ça c'était pratique, il me semble. Oula, oula, qu'est-ce que tu fais? Menu de mission. Ah, je vais peut-être regarder le menu de mission, savoir ce que je suis censé faire. La page des compétences. Ça, je crois que c'est à la fin qu'on a les compétences, si j'ai bon souvenir. Je sais même plus. Ok. Globalement, j'ai les touches en tête. Voilà, voilou, on va pouvoir... C'est fini tous les menus, oui. On va pouvoir reprendre. Donc j'avais dit le menu d'émission. Alors, maintenant, je dois rejoindre l'ambassade. Ok, je devrais voler le livre des comptes pour l'elfe. Ah, donc ça c'est déjà un truc à faire. Alors, il faut que j'récupère, m'a parlé, si je passe par l'incinérateur, je devrais facilement... Ah oui, on était en train de revenir sur nos pas, en fait. Il nous avait... Oui, je commence à me rappeler. On avait été capturé... Enfin, non. Il était capturé, on était venu le sauver et il nous avait enfermé à sa place. Je crois que c'était un truc comme ça. On n'avait pas apprécié, on l'avait croisé une fois, on avait essayé de le tuer, mais il nous avait mis une raclée. Et maintenant on lui court après en refaisant tout le chemin en sens inverse. Oui, c'est ça. Je crois que c'est un truc comme ça. Qui doit attendre un embarcadère. Ok, alors. Ah oui, on commence tout de suite dans la difficulté en plus. Donc eux, il fallait pas passer à côté d'eux, donc je dois passer par là. Et du coup, ça veut dire que je dois passer par là. Alors, ça va être pratique direct de se remettre dans le bain avec ça. Ah ben, je suis déjà accroupi, d'accord. Ok, donc je vais lui passer au-dessus, en gros. Ouah, ça va être chaud. On va peut-être pas, du coup, être accroupi. Qu'est-ce qu'ils font, là, ceux-là? Ah, je crois que j'ai sauté trop vite. Non, ça va, c'est passé. Non, je ne suis pas là. Couche-toi. Non, je suis pas là, calme-toi. Y'a personne, c'est rien, c'est une mouche. Bzzz.
c'est une mouche. Attends, c'est une mouche, c'est rien. Oh, c'était chaud. Je sentais le gars qui allait m'attraper par le pied et me retaper à terre là, c'est waouh. Oula. Oula. C'était F5 je crois. tu contrôle. Excusez-moi, hein, je m'y remets, donc faut que je. Bon, je l'ai déjà dit ici, je l'ai déjà dit 650 fois hein, que je m'y remettais, mais. Oui, c'est F5. On fait petite sauvegarde avant de se lancer là-dedans. Voilà. Est-ce que je saute ici ou est-ce que je saute en dessous? Non, c'est rien. Calme-toi. Putain, il a les oreilles sensibles, gars. En plus, là, je vais descendre, je vais voir les deux autres juste derrière, quoi. Ah, mais en fait, je fiche. Pourquoi il y a un truc là? Je pouvais passer par là? Je m'emmerde à passer par ici, mais. Si ça se trouve, c'est pas par ici. Putain, j'ai toujours l'impression que ça prend pas. Alors, du coup, après, on vient ici. Un des livres de compte se trouve à proximité. Ah, bah, c'est gentil de me prévenir. Ok, bonjour le bug. Ah oui, j'ai oublié de préciser, vu que j'ai changé de marque de carte graphique, je n'ai plus de problème avec Physics. Et notamment, ce jeu tourne sur Physics, ce qui fait qu'en principe, j'aurai moins de ralentissement que j'avais avec l'ancien. Pardon, je ne suis pas là. I can't find anything conclusive. The skin color and the teeth are similar to the orcs, I think. Oui, on est censé être un orc qui s'est transformé. Si vous avez regardé au Forksen Men. Sinon, allez le voir. We'll have to invent a new name for this race. Un gobelin. Well, all you have to do is give them your name. Bon, je sais déjà où je dois aller après. J'attends qu'ils aient fini de parler. But honestly, I wonder what. I wonder if it couldn't be a goblin. Ah, enfin, qui est intelligent. Come now. They don't exist, goblins. Attends, quand je t'aurai planté ma dague dans le dos, tu verras si ça n'existe pas. Goblins. Gibberish. Ok. Bah, oui, ce soir, rentrez-vous dedans, en mode tranquille. Alors, là, il y a pas. Oula, il y a des soldats qu'on peut pas tuer. Là, il y a un civil. Alors, on va déjà monter là-haut. Et. Tu veux bien monter, oui. Alors, le livre de compte. Merde, il est de l'autre côté, évidemment. Alors, ça c'est. Ok. Ici, il y a quoi? Un soldat. C'était quoi? C'était 3 la vision d'ombre, c'est ça. Oh bah, il y a un autre soldat là. En fait, j'aurais dû monter de l'autre côté, mais il n'y a pas moyen. Ok. Ah, mais je peux aller par l'autre fenêtre aussi. Là où lui va. Il y a quoi à l'autre fenêtre? On va attendre qu'il passe. Et ce sera plus sûr de passer par ici. Là, il y a des bouquins. Ok, il fait n'importe quoi. Et il se barre. Ok. Tac, tac. Je peux aller me mettre là-bas. Il y a quoi ici? Ok. Bon. On va essayer de trucider quelqu'un. Ça fait longtemps. Ah, je suis vraiment mal installé. Je crois que je vais le ranger après cet épisode parce que je sens que je vais avoir très mal au dos. Je suis vraiment tordu là. Enfin, plus que d'habitude. Petite sauvegarde, histoire de pas se foirer. Oula. On rentre pas dans la bibliothèque. Tac, tac, tac. Gentil. Voilà. Hop, portez le corps. Tac. Voilà. Et on ira un livre tranquille par ici. Tac. Bon. Reste à tuer celui-là. Bon, il fait quoi? Il vient par ici. Mauvaise idée. Casse-toi. Oh, mais tu vas où, toi? Attends, mais il venait pas par ici, lui. Qu'est-ce qu'il vient faire? Qu'est-ce que tu viens faire par ici, toi? Casse-toi. Pourquoi tu reprends le pattern de l'autre alors qu'il est mort? T'es pas censé savoir qu'il est mort. Ah putain, mais il y en a un troisième. Ah, c'est un archer, celui-là. Là, je me rappelle. Voilà. On va dire bonjour à ton petit copain. Tac. J'adore empiler les cadavres.
Alors. Bon, les petites serrures, les machins, j'avais dit ça, je me rappelle que je laissais tomber. Le but c'est d'avancer. Ah putain, mais il y en a un autre de l'autre côté encore, quoi. Qui c'est que ce livre de compte, quoi? Tout le monde le veut. Alors, on peut monter, mais je vois pas l'intérêt. Putain, mais il y en a du monde! La vache! Je fais quoi, moi, là? Sauvegarde. Déjà. Non, non, y'a rien. C'est ton imagination. Non, y'a rien. Retourne-toi. Je suis quoi qui est là. Non, y'a rien. C'est votre imagination. Et comment je suis censé les tuer ceux-là, quoi? Ah, il y en a un qui a du poison. Déjà, comment je suis censé rentrer dans cette pièce? Ah, là-bas, il y a un escalier, d'accord. En fait, ça servait à rien que je passe par ici, quoi. En gros. Ça servait à rien que j'aille par là. Même ma souris n'est pas bien mise. C'est pratique. Je peux faire tomber ça sur les deux qui sont en bas. C'est pour ça que je dois venir ici, d'accord. Je pense. On va sauvegarder, histoire de pas faire de conneries. Hop. Bam! Ok, c'est à ça que ça servait de venir ici. Ah, par contre, les deux descendent. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Tac-tac. En plus, ça m'a fait de l'ombre. Non, y'a rien. Va manger des pommes. Non, y'a rien. Bon, on va passer par l'autre côté, je crois que c'est plus safe. Oups. Je fais n'importe quoi, je suis en point de panique là. C'est rien. No, nothing. Est-ce que je peux monter par la bibliothèque? Il y a un soldat que je peux pas avoir. Qu'est-ce qu'il y a ici? J'entendais pas. Ok. Apparemment, ça vient d'en haut. Bon, ceux-là, ils sont... Ça, c'est pour se casser. Donc ça, j'ai déjà ouvert la porte pour sortir. C'est bien, mais c'est pas ce que je veux. Je veux le livre de compte, moi. Mais allez, j'ai pas lancé de chrono. Je viens de m'en rendre compte, en fait. Bon, on va le faire au pif. Hein. Je sais même pas à quelle heure j'ai commencé. Bon, on le fera au pif. Tant pis si l'épisode est... Non, y'a rien. Dès que je suis distrait, je fais des conneries. Hein. Comment je suis censé... Et ils sont passés où, les civils, d'ailleurs? Et comment je fais pour atteindre l'escalier? C'est quoi cet endroit? J'ai vraiment mal. On va essayer de s'avancer un peu. Attends, on sauvegarde. Alors, on repasse par ici. Je suis en train de chercher l'escalier pour monter, en fait. Mais je le trouve pas. Les pas, c'est ceux qui sont en haut. Ah, t'as bougé? Ah bah non, c'est un autre. Je vois pas trop comment... Il n'y a pas une histoire avec des objets. Fiole d'ambre, fiole d'acide, boule de sable. Est-ce que je peux lui envoyer du sable dans la gueule? Pas vraiment. Fiole d'acide, fiole d'ambre, fiole d'acide. Oh, tu vas toi. Bon, passer par là, c'est pas une bonne idée. On va essayer autre chose. Il y avait un truc pour monter par ici. Oups. Ah, dégage, la GS.
Là, je suis en plein dans la ligne de mire de l'archer, c'est pas beaucoup mieux. Putain, mais comment je suis censé faire cette pièce, quoi? Bah si, je sais comment je suis censé faire. Je suis censé passer par là. La question, c'est comment je monte, là? Parce qu'il n'y a rien pour monter, ici. En montant sur la statue. Je suis pas sûr que ce soit ça qu'il faille faire, mais... Ça marche, c'est le principal. Je suis passé n'importe où, c'est n'importe quoi. À mon avis, c'était pas prévu, ça. Ah, mais je peux piquer le livre de compte de là, en fait. J'ai pas besoin de m'emmerder. Ah, lui, il a le dos tourné. Tac, tac. Oh, je mets un filtre. Je sais plus si je peux les tuer ceux-là. De toute façon, je vais lui empoisonner son truc. Ça va être vite fait. Hop, voilà, je crache dans la soupe. Je remets le fil de la souris parce que... Comme je vous le dis, hein, l'ordi n'est pas à sa place, du coup le câble il passe n'importe où et ça m'embête. Alors, quelle pointure as-tu? Du 35, petit pied. Et le câble il veut pas rester. Bon, tu manges, ouais? Et il a pas envie de manger, hein? Ah, ça y est. Miam miam, la bonne nourriture empoisonnée. Donc, où il va mourir? Ah, voilà. Est-ce que l'autre l'a vu? He doesn't look too good. Better watch out what I put away. Might be from that. Ça passe. Ouh, 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 ouh. Tac, tac. Ah. J'avais dit que je les ramasserais pas, mais bon. Tant qu'à faire. Tac, tac. Bon, reste à se débarrasser de l'archer. Pour me débarrasser de l'archer, j'aurais plus facile de l'autre côté, en fait. Maintenant qu'eux ne sont plus là... Ouah. C'est quoi ce truc? C'est une vitre? Ouah, c'est moche. D'accord, les vitres elles sont moches avec cette nouvelle config. Bah, je sais pas comment elles étaient avant. Bah en fait non, j'ai même pas besoin de le tuer l'archer maintenant. J'ai qu'à reprendre le livre. Ah non, y'a rien. Y'a surtout pas un gobelin en train de voler un livre. Ok, bon ben. Ah, merde, faut que je déverrouille. Tac, tac, tac. Hey, oh, grouille-toi. Quittez le secteur. Ah, ouh, une mission de fini, yeah. Ah, ça fait plaisir. On n'a pas trop perdu la main. C'était juste ce qu'il fallait pour se remettre, tu vois, un petit peu de stress avec l'orque, une salle un peu compliquée, je crois que c'était vraiment l'idéal pour s'y remettre. Non, je n'arrête pas l'épisode tout de suite. Oh, puis avec le retour, je peux bien faire un épisode plus long aussi, hein. Allez, hop. Bannerman will be here soon. Come back quickly. I have the documents. I'm almost there. Attention, je ne dois pas me faire repérer. Oula. Ah oui, oh oui, 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 oui. On va faire une grosse sauvegarde. On va la faire ici.
Elles ont toutes à peu près la même date. Tac. Alors, je dois pas me faire repérer. Même pas repérer, quoi. Ouah, ça commence mal. Surtout s'il vient par ici, celui-là. Bon, faut que j'arrive à monter. Ah, par là. Non, 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 non. Et d'où il m'a détecté, là-bas? C'est une blague. Oh, mais casse-toi, toi. Mais... Putain, mais il a une vision dégue, celui-là. Autant prendre les escaliers, on va pas s'emmerder. Y'a personne dans les escaliers. Bon, est-ce que j'ai un objectif secondaire? Voler la relique. Ok. Ah, y'a une relique ici. Dans l'ambassade. Oh putain. C'est encore leurs énigmes à la con. Une statue avec des arches. Il faut regarder vers des fenêtres avec une serrure. À gauche, à droite, à droite, à droite. Hein? Ça, ça veut rien dire, leur truc. Non, non, y'a rien, y'a rien. Je ne fais que passer. Ok, ah, je me sens déjà mieux ici. Bon. Je regarde s'il n'y a pas le truc bizarre, mais apparemment c'est pas ici. Il n'y a pas une map. Parce que peut-être qu'il est sur la map. Donc, le chandelier, on est ici. Là il y a un machin, et là il y a un truc. Si vous voulez que je vous dise d'autres. Donc, on va aller par là. Bon, je sais que c'est pas le jeu le plus trépidant pour recommencer, mais moi ça m'intéresse. J'ai vraiment envie de finir ce jeu. Et j'ai vraiment envie de m'autrotrucider. C'est pas facile à dire comme terme. Tac, tac. Tac. Ah! Eh merde, je suis bloqué! Ah, il y avait un bug. Hop! Puis j'ai entendu la petite sirène juste à ce moment-là, j'ai fait merde! Ok. Bon, on a passé cette pièce. Le plan. Donc, si j'étais là, je suis passé par là, j'ai traversé tout ça. Je suis censé aller où? Par là, à mon avis. C'est pas par là que je vais. Ça, c'est l'aéroport. À mon avis, on devra aller à l'aéroport après. Bon, fallait que je récupère les documents. Les documents, je l'ai. La relique, c'est secondaire. C'est des XP. Si j'ai bon souvenir, il n'y a pas beaucoup de pouvoirs qui m'intéressent. Donc, on va essayer d'avancer. Bon, un truc, machin, ça, je m'en fichais complètement. Je regarde toujours avant les sauts parce que je suis pas doué. Ok. Tac, tac. Oh la vache! C'est une blague. Ah si, je sais comment on est censé faire ici. Mais je sais pas. J'ai la pratique, c'est-à-dire il faut que je réveille l'autre pour qu'il tue l'autre. Mais après, comment le faire techniquement, ça j'en sais rien. L'autre s'est cassé. Ah ouais. Bon, là, on va essayer de descendre par là. On va essayer la mode direct. Stop. Access is prohibited to elves. Oh zèle, oh putain j'ai cru que c'était pour moi.
J'ai cru un moment que c'était pour moi. Ouah, j'ai eu peur. J'ai dit merde, je suis repéré. Ouah, putain, mais c'est quoi tout ce monde de fou, quoi? Enfin, tu vas me dire que si l'ambassadeur est par là, c'est un peu normal qu'il y ait du monde. Mais... je vois toujours pas le truc dont ils m'ont parlé. Well, let's not kill anybody from here. Otherwise, Barriman might suspect something. Oh la vache! Donc je dois pas me faire repérer, mais attends, je ne peux plus tuer les gens. C'est une blague. Ouais, où ils vont? Quoi, il y a une promo sur les soldes, quoi? Il y a une porte ou pas de porte, là? Donc je dois pas me faire repérer et je ne peux pas tuer les gens. Je peux pas passer par là non plus. D'accord. Ouais. D'accord. Attends, je suis censé aller par là. Donc, je suis censé utiliser cette porte. J'en fous. Tant pis s'il y a quelqu'un. Oh putain, chaud du cul. Ah oui, mais j'ai toujours l'invisibilité aussi. Faut pas oublier ça. Attention, ne te fais repérer et ne tue personne. La vache. Il y a un truc pour monter ici. Je vais monter sur la porte. Ah ouais. Ah merde. Tac tac tac. C'est ça, fait. Putain, je peux pas le tuer lui. Pas celui-là. J'ai pas du tout joué, hein, je fonce là, c'est. Ouah, j'en ai rien à foutre, je me casse quoi. Allez, ouvre la porte. Bruit, 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 c'est bon. Hop. Je sais pas où je suis. À mon avis, c'est pas par ici. Oui, j'avais compris. Je demande mission impossible, mais j'avais compris. Ah merde, je peux pas ouvrir cette porte. Bon, l'autre il va rallumer évidemment. Putain, ne tue personne. Ils ont mis 150 millions de gens et je suis censé passer sans me faire repérer. Bon, il va rallumer la torche. Enfoiré. Le gars il se retourne pour tousser. D'accord. Bon, mais avec je suis censé monter là-haut. Non, 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 y'a rien, y'a rien, y'a rien. Je me sens un peu à coincer ici. J'aurais bien niqué le. Le lampadaire, mais je peux pas tuer les gens, donc. Je sais pas trop par où je passe, mais je passe. Ah non, y a rien, y a rien, y a rien. Je ne sais pas comment je passe. C'est n'importe quoi. Ça passe. C'est bien quand je réfléchis pas, en fait, c'est mieux. Bon, par contre, je suis de mauvais côté. Est-ce que je dois tuer celui-là? Ah, ou pas. Coup. Here are the documents as agreed. But you should take a look at this. It was meant for Aaron. Let me see. What? It's a fake. A fake document signed by me, ordering all the elves to attack this night. If
other fakes such as this reach Aeron, war is guaranteed. The excuse that he was lacking to commit a massacre. Obviously, Styx is behind this. It is urgent that I speak to Baron. Hide in this closet. He must not see you. Pourquoi je sens le coup foireux? Ok. Du gars qui va faire hey, le gobelin, il est là-dedans. Et pourquoi je sens que les deux... Soit il nous trahit, soit il se fait tuer. Dear friend, I'm happy to be able to clear up some matters with you. Ouais, il y en a un dans le placard. Have you heard about the creatures who invaded our jails? Have you any idea of their origin? You see, there are rumors that the elves... Governor, I must discuss certain problems with you without delay. I have got wind of a conspiracy that involves... Oh. Styx! Oh! No! D'accord. Either I help the elf by making a diversion and we take off by air, or I get out of the embassy and go straight to the docks. Oh. Anyway, I have to find Querberus before Styx does. Oh, voilà le moment très intéressant. Moi, je dis tout de suite, je me casse. Rien à foutre. Donc, soit je fais quoi? Je rejoins l'embarcadère au plus vite. Objectif secondaire, je devrais voler la relique. On s'en fout. Je devrais faire 10 étuis pour nous aider à fouiller. Non, l'elfe, on s'en branle totalement de l'elfe. Mais alors, complètement, il peut crever, je m'en fous. Et sinon, il y avait... Je sais plus quoi. J'ai dû oublier. Me barrer juste à l'embarcadère, en fait. Tout laisser en plan et me barrer. Ça me semble marrant. Enfin, une sauvegarde. Ah, moi, je joue les enfoirés, hein, vous le savez. Déjà, j'aime pas les elfes, en plus. Donc, l'elfe, il peut crever. Je m'en fous. Ah, je vais à l'embarcadère, quoi. Mécanisme. Je crois que, de toute façon, je suis obligé de... Non. No way to go through here. Plan. Je sais même pas trop par où je suis passé au final. Je dois être ici à mon avis. Je sais pas. Un autre chemin. Bon, mon but c'est d'aller par là. Bon, là il n'y a pas d'autre chemin. Là il y a une porte. Attends, il est quelle heure? Bon, je crois que les 30 minutes y sont. J'ai fait la sauvegarde. Donc tout va bien. Je pense que je vais arrêter là. Je ne sais pas du tout à quelle longueur est la vidéo. C'est la vidéo de reprise de toute façon. On en a quand même déjà fait pas mal. Et je vais peut-être en fait attendre que vous disiez non. Je vais faire comme d'habitude, je vais faire ce que je veux. Je vais faire les enfants. Ah ben il y a une fenêtre là au-dessus en fait. D'accord. Donc il faut que je passe par la fenêtre et on se barra directement à l'embarcadère comme des gros enfoirés qu'on est. Donc j'espère que ça vous aura plu. Vous êtes content de me revoir. Je sais qu'il y en a pas mal qui m'attendent. Il y en a d'autres à mon avis qui ne m'attendaient plus et qui sont peut-être surpris de me revoir. Je suis toujours vivant, je suis toujours là. Et ben, on continuera dans le prochain épisode. C'était donc Corogorcion en direct de Womplifou de Styx Masters of Shadows. A bientôt pour la suite.